Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Musique. Alors pour vous aujourd'hui, un petit Sunny Afternoon, morceau des Kinks, là, en espérant que ça permette peut-être au soleil de sortir un jour, là, il commence à se faire franchement désirer. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un morceau qui est sorti sur le quatrième album donc des Kinks, Face to Face, en 1966. Voilà, c'est le premier album entièrement composé par Ray Davies. Et ce qui m'a fait penser à reprendre ce morceau, c'est parce que j'ai revu récemment le film Good Morning England. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille franchement d'aller le consulter. C'est un film familial. Voilà, y a du rock, y a une bonne mentalité. Allez-y, c'est un film qui fait du bien. Voilà, donc bon, bah, comme d'habitude, on va se faire les accords de main gauche, la rythmique, tout ça. Les accords sont pas forcément simples. Donc, j'aurais pu faire une version avec Capodastre, comme j'en ai vu plein qui le faisaient, mais je me suis dit que non, on allait utiliser toute la longueur de corde vibrante pour avoir vraiment une efficacité au niveau de la projection sonore. Comme c'est bien dit! Allez, à tout de suite! Alors, pour les accords de main gauche, on va commencer avec un Ré mineur, qui sonne comme ça. Bon voilà, jusque-là tout va bien. Mettez bien vraiment le petit doigt. De temps en temps, on peut trouver le Ré mineur de cette façon, avec l'annulaire en troisième case du Si, mais là, pour le coup, on va avoir besoin de l'annulaire juste après. Donc, le premier accord, Ré mineur. Deuxième accord, Ré mineur, basse, Do. C'est-à-dire, le Ré mineur reste, mais à la basse, on va utiliser l'annulaire pour faire la note Do en troisième case de la corde de La. Ré mineur, basse, Do. Ensuite, Ré mineur, basse, Si. L'annulaire part, et le majeur, lui, vient en deuxième case de la corde de La. Ensuite, Ré mineur, basse, Si bémol. Là, il n'y a que le petit doigt qui reste. Et l'index vient ici, en première case de la corde de La. Donc là, sur cet accord, vous pourrez difficilement placer le pouce pour bloquer le gros Mi. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avancer l'index un petit peu pour qu'il frôle la corde de Mi afin de le bloquer. D'accord ? Et en même temps, en faisant un petit pont comme ça, un petit pont avec l'index, vous voyez, clac, cette partie-là du doigt va toucher le petit Mi, ce qui va le bloquer, et c'est très bien, parce qu'on veut avoir en fait uniquement les quatre notes du milieu. Donc, en utilisant la technique du blocage du gros Mi avec le bout de l'index et du blocage du petit Mi, avec l'intérieur du doigt, voilà, là ça c'est du bloc, on a ça. On gratte les six cordes, on n'en a que quatre qui sortent. Je vous refais la descente, le Ré mineur et sa descente. Ré mineur. Non. Ré mineur. Basse Do. Ré mineur, basse Si. Ré mineur, basse Si bémol. Ensuite, un accord de La majeur. Alors, le La majeur, on peut le faire comme ça. Position standard. Moi, j'aime pas trop, déjà, ce doigté là. J'utilise plutôt comme ça. Mais dans ce cas de figure, dans ce morceau, j'utiliserai plutôt la version du La style ACDC. Alors il n'est pas vraiment power chord puisque on entend quand même cette note là, le power chord ça s'arrêterait ici, on n'aurait pas la couleur majeure. Vous voyez, en mettant l'index un petit peu de traviole, vous bloquez le petit Mi naturellement comme ça, vous bloquez le gros Mi avec le pouce également et vous tapez dans les cordes La mineur machin, La majeur pardon, ensuite La majeur basse Sol. C'est le même accord au niveau de l'index, mais par contre le majeur appuie sur la troisième case de la corde de Mi. Ensuite c'est quoi? Ensuite c'est La majeur basse Fa, donc la même petite cartouche d'index là ici, mais en plus le pouce à la première case du gros Mi. Ça fait bizarre quand il est sorti de son contexte, mais c'est ça. Et ensuite, on enlève pour faire le La basse Mi. Je vous refais le La et, son développement de basse, La majeure, La basse Sol, La basse Fa et La basse Mi. Cool! Après, on aura deux accords dans le morceau, donc en dehors de ces trucs-là. C'est le Do majeur, tranquille et mille. Après, le Fa majeur, qu'on peut faire soit en barré comme ça. Bon, moi j'aime bien le faire comme ça. Alors peut-être vous connaissez pas ce doigté, alors ce serait bien que vous le travailliez parce que c'est très pratique, notamment quand vous voudrez faire des trucs Hendrix ou des choses comme ça. Alors, c'est quoi la différence? Le barré, vous le connaissez certainement de cette façon. Vous conservez les trois doigts au milieu, le pouce va venir choper la basse Fa, et l'index va faire un mini barré tout au bout en 1-1 pour compléter l'accord. Et ça fait un accord comme ça qu'on tient bien en main. C'est très pratique et on peut faire des petites
variation sur l'accord avec le petit doigt. On verra ça dans un autre chapitre. Voilà, le Fa et le Sol septième. Et voilà, on a fait le tour de tous les accords. Donc maintenant, on attaque la grille et puis les rythmiques de main droite. Alors, on va découper ce morceau en trois parties. On va dire intro, couplet, refrain. On commence par l'intro, comme c'est original. Alors, c'est Ré mineur, après Ré mineur basse Do, Ré mineur basse Si, Ré mineur basse Si bémol, La majeur, La basse Sol, La basse Fa, La basse Mi. Voilà, ça c'est ce qui sert d'intro, d'accord, au niveau du placement de la main gauche. Avec les, les trucs de main droite, donc là on est dans une rythmique shuffle, c'est-à-dire on n'a pas des allers-retours réguliers comme ça, comme en binaire, 1 et 2 et 3 et 4, voilà, ça c'est des croches binaires. Là on va plutôt avoir un truc qui fait ta, ta, ta. C'est toujours un découpage d'allers-retours, sauf que là ça donne un espèce de petit... comme si vous étiez sur un cheval au trot. D'accord, si on le fait en binaire, beaucoup plus carré comme une marche. Et l'autre, faut le penser cheval peut-être, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, le coup vers le bas dure les deux tiers du temps, et la remontée est un peu plus sèche. Je ferai un petit cours à part à ce sujet si vous n'avez pas trop ce truc-là. Bref, alors, ça donnera ça, l'intro. Pardon. Que j'ai fait déjà, j'ai fait deux coups par accord, et entre chaque coup j'enlève la pression des doigts, mais sans quitter l'accord, parce que si je quitte l'accord, ça fait des sons qu'on veut pas. Voilà, ça c'est vraiment la première étape de travail, genre oh là 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 là. D'aucuns me diront, ouais, mais ça fait dégueulasse, il y a des sons dans tous les sens et tout. Moi, je trouve que dans ce morceau, il faut qu'il y en ait partout, justement, que ça dégouline dans tous les sens. Donc, même s'il y a des cordes à vite qui continuent à sonner pendant que l'accord s'en va, c'est pas grave. Hein, on n'est pas dans un contexte manouche ou reggae, machin, on est vraiment voilà, dans un truc rock. Hein. Ok, donc dès que vous avez réussi à faire deux coups par accord, en enlevant bien la pression du doigt, dès que vous en avez fait deux, vous essayez un petit retour à la suite. Donc 1, 2, ah pardon, 1, 2, 2, 2, et 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Donc même si au retour on n'a pas toutes les notes ou machin, parce que ça tombe quand la main enlève sa pression, c'est pas grave, au contraire, ça fera partie de l'ensemble, rythmiquement parlant. Je dis que je commence avec le petit, puis je commence jamais avec... Ah. Et à la fin de la première fois de l'intro, je ferai 3, 4, 5, 6, comme fait la batterie. Ça, c'était l'intro. Le couplet, à présent. On part en Ré mineur. La rythmique pour le couplet, ça va être Fa, Fa, O, Fa, O, Fa. Après, on peut tourner autour de ça. Mais vraiment, la basse, c'est noir. Deux croches, deux croches, deux croches. Voilà, bon, faut vous ayez bien le shuffle, là, les croches ternaires. C'est la même chose, hein. Vous l'ayez bien en main. Noir, deux croches, deux croches, deux croches, noir. On le fait ensemble pas trop vite. 3, 4. C'est comme si je comptais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça a duré les deux tiers du temps, le coup vers le bas quand on est en croche, puisque 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord. Le couplet, donc une mesure de main droite, c'est noir, 2, croche, 2, croche, 2, croche, ou bas, bas, ou bas, ou bas, d'accord. Donc dans le couplet, on a une mesure de Ré. Là, on peut réutiliser le petit doigt, ou l'annulaire, du coup. Alors, sur le dernier retour, je fais comme d'hab, j'enlève les doigts, pour préparer l'arrivée d'après. Donc, 3, 2, croche, 2, croche, 2, croche. Ensuite, le Do, une mesure. Après,
pareil, le fa une mesure, comme ça, oui, et on revient en do. Je vous le refais, j'enchaîne, ré, do, fa, do, ré, couplet. Ensuite, c'est le la et la descente qui va avec. Ça, c'est quasiment la fin du couplet. Donc, on fait le couplet en entier. Donc, on le fait systématiquement deux fois. Je vous fais les deux fois. La deuxième fois, pardon, du couplet. Là, on a eu le droit à la première. Deuxième fois. Alors. Ouais. Ce qui amène au refrain, c'est donc, on reste en ré mineur, mais on va essayer de choper la basse ré toute seule. Donc là, le rythme, ce serait noir, deux croches noires, sur ré vide. Et le bas d'après, ce serait le la, pour avoir l'alternance ré, la, ré, la, do. Et la fin, c'est ça. Et cette dernière note nous amènera vers le refrain. Donc, encore une fois, cette ligne de ré avec l'alternance de basse. On n'est pas obligé de le faire, hein, mais si on veut le varier, ça fait bien. Autrement, vous restez sur la. Et ensuite, vous allez en ré, d'accord ? Si vous voulez l'enrichir un peu, essayez ça. Donc, basse ré. La, ré, la, do. Voilà. Donc, maintenant, le refrain. On passe en ré majeur. Donc là c'est pareil, on a deux mesures, donc soit vous faites durer la rythmique standard, soit vous essayez d'alterner les basses, ça donnera encore plus d'impression, un peu de guinguette comme ça. Donc ré, la, ré, la, vous voyez ça fait quand même pas mal, faut bien viser, donc même si ça déborde au niveau des coups de médiator, c'est pas grave. Bon, faut viser un peu quand même, hein. Mais voilà. Machin. Après ce ré de mesure, on a le sol 7. Donc là, pareil, on peut alterner les basses. Voilà, je sais plus ce que je faisais sur la démo, mais sinon, vous faites. Vous prenez le premier temps, la basse quasiment. La basse seule ou avec deux cordes, et vous complétez. Fait depuis le début du refrain. Après Do. Donc là, Do, pareil, on peut alterner en utilisant la basse qui est placée en troisième case du Do. Vous voyez, je suis là comme ça. Deux mesures de Do, ou alors comme tout à l'heure sur le sol, on gratte les basses. Vous voulez ensuite le Fa, barré ou pas, et le La. D'accord ? Vous faites tout le refrain et sa fin. Ré majeur, pardon. Save me, save me, save me from this. Et là, on n'a plus l'histoire des doigts qui s'en vont, d'accord ? On n'a pas la pression ici, par contre, les basses. Difficulté dans chaque partie. Je recommence. Ré. Do. Basse. Le Fa. Et le La. Et on retrouve, un peu comme dans l'intro, le Ré mineur. And da la. Si bémol, et au lieu de continuer en la, on refait la même chose deux fois. Donc, and I love to play so pleasantly. Deuxième fois, live this life of luxury. Et fin du refrain, lazy on the fa, sunny
Alors maintenant qu'on a vu séparément chaque partie, je vais tout vous enchaîner et vous marquer sur ce coin-là de l'écran la structure, combien de fois on fait le couplet, l'intro, le tout ça. Donc déjà on commence par deux fois l'intro avec le truc là. La basse sol, basse fa, petit machin. Et deuxième fois de l'intro. Je fais pas le systématiquement le, c'est un peu relou de l'avoir deux fois de suite. Ensuite on a le couplet. Deuxième fois du couplet, ré mineur encore. On passe directement au refrain et help. Qui donne ça là. Alors, qu'est-ce que je fais là-dessus? Sur la outro, je fais un rapprochement. Je suis en ré mineur. Je vais éteindre cette horrible lumière rouge. Tain, je crois à Amsterdam. Alors ré mineur, je fais claque et je fais un hybrid picking. Je regratte. L'accord. Alors je gratte l'accord de Ré. Je peux prendre à la limite cette corde de Sol avec le majeur. Et je vais regratter cette note-ci là avec en même temps l'accord de Ré gratté au médiator. Donc. Oh là là!
j'alterne au médiator avec la basse là. Pour faire la petite tablature. Voilà. Bon, alors, j'espère avoir été clair dans la structure. Je crois que je me suis paumé, malheureusement. Mes amis, pardon. Donc, le mieux, ce sera de réécouter le morceau afin de vérifier que chaque partie est à sa place et tout. Ouais, je crois que j'ai dû zapper un refrain, un truc comme ça. Enfin, en tous les cas, là, vous avez tous les éléments du puzzle. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre tout dans le bon sens. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous va. N'hésitez pas à aller visiter galagomusique.com, un site de qualité. Bah écoutez, merci beaucoup, à bientôt, ciao.